Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadan rasul. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah est capitale, vitale et primordiale. Je l'ai fait à cause d'une anecdote. J'étais avec un ami commerçant cette semaine, on parlait ensemble du bon vieux temps. Quand est-ce que j'avais passé mon permis poids lourd en 96? Et lui me dit, tu sais, pour passer mon permis poids lourd, ça a été difficile. 8 fois, j'ai passé l'examen. 8 fois? Comment ça se fait? Il me dit, Faisal, il fallait que je paye. Je ne savais pas. Je ne savais pas. En fin de compte, le cancer qui va détruire ce monde musulman, vous savez c'est quoi? C'est la rachwa. Et le remède qui va sauver le monde musulman, c'est la taqwa. Parce que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont fait la conquête des cieux et de la terre. Mais avec la rachwa, ça sera notre échec dans ce monde et dans les cieux. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, son nom Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal et Abu Daoud al-Tayalisi, authentifié par les muhadithoun, où le prophète dit maudit, celui qui donne le pot de vin et celui qui prend le pot de vin. Ah ouais, c'est une khutbah qu'on aime, pas. Vous allez me dire à la fin, Faïssa, on n'en a pas le choix. On n'a pas le choix. Eh ben, tant pis pour nous, le jour du jugement. Parce que ça fait partie des plus grands péchés d'islam. La rachwa, le pot de vin, la corruption. Alors, on va commencer par les versets du Coran. Comme vous le savez tous, il y a plus de 134 fois dans le Coran, Allah le mentionne à taqwa. Allah dit dans le Coran al-Karim, surat le pèlerinage, chapitre 22, surat médinoise, serré, serré, car là vous récompense. Verset 1. Allah s'adresse au monde entier, hein, musulmans et non musulmans. Ya yuannes, ya yuannes, oh les gens, taqurabbakum, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible, le jour où chaque nourricière abandonnera son nourrisson, et que chaque femelle avortera sur le champ. Ce jour-là, tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat Talaq, chapitre 65, surat médinoise, versets 2 et 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Allah dit, ceux qui craignent Allah, Allah leur ouvrira des issues, des voies. Il leur facilitera avec leurs femmes, leur facilitera avec leurs enfants, leur facilitera dans leurs entreprises, leur facilitera dans la santé. Allah lui facilitera tout. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ. En plus qu'il bosse,
Et en plus de cela, il lui donnera une subsistance dans l'endroit où il ne s'attend pas. Mais, ce n'est pas pour tout le monde ça. Allah, il n'ouvre pas les portes à tout le monde. Il ouvre les portes à qui ? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Celui qui craint Allah, il va lui ouvrir toutes les portes. La santé, les études, la réussite, avec madame, avec les enfants, partout. On continue. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Imran, chapitre 3, surat médinoise, verset 102. Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullahu haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous les croyants, craignez Allah, taqullahu tuqatihi, c'est fort hein. Craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'en étant soumis à lui en tant que musulman. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a pas demandé de prier comme nous on veut, mais comme lui il veut. Il nous a pas demandé de faire le pèlerinage comme nous on veut, mais comme lui il veut. Il nous a pas demandé de manger ce qu'on veut, mais on mange comme lui il veut. Et il nous a pas demandé de craindre Allah comme on le veut, comme lui il le veut. Craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'en étant soumis musulman à lui. Allah tabaraka wa dit dans surat al-Maïda, la table service, surat médinoise, verset 27, et la meilleure fin est la piété. Allah surat Baqara, verset 187, chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Et prenez les provisions, et la meilleure provision c'est quoi? La taqwa, la piété. Allah dans surat al-Tawbah, chapitre 9, le désaveu, verset 36, qu'est-ce qu'Allah a dit? Inna Allah ma'al muttaqin. Allah il avait qui? Il n'a pas dit qu'il est avec. Lisez le Coran, vous ne trouverez aucun verset où Allah a dit je suis avec les prieurs, avec les jeûneurs. Non, ma'al muttaqin. Allah a dit en surat Tawbah, verset 4, surat 9, qu'est-ce qu'Allah a dit? Inna la yuhibbul muttaqin. On va pas sortir tous les versets de taqwa contre la rachwa. À toi de choisir. C'est soit la rachwa, et un coup d'enveloppe là-bas, et un coup d'enveloppe là-bas, mais le jour du jugement, t'es mort. Ça fait partie des plus grands péchés. Malheur à celui qui donne le pot de vin et qui prend le pot de vin. Taqwa ou rachwa, à nous de choisir. Taqwa c'est le paradis, rachwa c'est l'enfer. Et le monde musulman, il sera perdu avec la rachwa. Mais avec la taqwa, c'est la réussite du monde musulman. On commence par le premier hadith. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, dans son Musnad, au hadith 1987, rapporté par le grand compagnon Abu Dhar de la tribu des Rifar, qui dit que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit taqullah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. C'est pas tu crains Allah dans la mosquée, non, crains Allah avec ta femme, crains Allah avec tes enfants, crains Allah dans ton argent, crains avec les gens, crains Allah dans ton alimentation, crains Allah dans tes vêtements, crains Allah dans la rue, crains Allah avec les voisins, crains Allah au boulot, crains Allah avec les non-musulmans. Taqullah haythuma kunt, où tu es. C'est pas tu crains Allah que dans la mosquée, où tu es. Et fais suivre du péché une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Voyez, taqullah haith, où tu es. Vous connaissez ce hadith dans le recueil de l'imam muslim, sept personnes seront ombragées par l'ombre du trône de Dieu. Et parmi ces sept personnes, c'est qui? Un homme, une femme, belle, très belle, et de noblesse l'invite à l'adultère. Qu'est-ce qu'il dit? Inni akhafullah. Je crains Allah. Ouais. La crainte de Dieu, mes frères, c'est ce qui va nous sauver. Alors, vous connaissez peut-être un homme qui s'appelle Charles Maurice de Talleyrand. Il est de 1754. Il était ambassadeur de France en Angleterre, à l'époque de Louis-Philippe Ier. Regardez ce qu'il va dire. Derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est normal. Alors, on commence. Le grand savant qui s'appelle Ibn Athir de 1160, dans son recueil qui s'appelle Usud al-Rabah fi Ma'rifat al-Sahaba. Et à chaque fois dans les rotbas, je mentionne ce livre. Il coûte 40 euros, achetez-le mes frères, ça vaut rien du tout. Mais dedans, il y a la biographie de 7000 compagnons. Qu'est-ce qu'il dit? À l'époque du calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, de 634 à 640, la première année de son califat, il va faire des réformes. Et les réformes, vous savez ce que c'est, les réformes de la retraite, hein, les réformes de l'éducation nationale, hein, réforme du chômage, réforme de la justice, il y en aura toujours des réformes. Vivant ou mort, il y en aura toujours. Il va faire une réforme, un décret de loi. C'est quoi? Il va sortir ce décret, l'interdiction à tous les commerçants, moi le premier, l'interdiction à tous les commerçants de rajouter de l'eau dans le lait afin d'augmenter le volume et de tromper les gens. Oui, les commerçants voleurs qui cherchent l'enfer. Interdiction de rajouter de l'eau dans le lait
afin d'augmenter le volume et tromper les gens. Très bien, le décret est dans tout le monde musulman, donc de Cordoue à Isfahan. D'accord ? Très bien. J'ai mis 500 km. Tout d'un coup, Omar, radiallahu anhu, avait l'habitude d'administrer son peuple de Médine. Il se balade dans les rues de Médine. Il est fatigué, il s'adosse contre un mur. Et qu'est-ce qu'il entend ? Malgré lui, la conversation d'une fille avec sa mère. Magnifique, accrochez-vous. La fille dit à sa mère, « Maman, parce que la mère a dit à sa fille, rajoute de l'eau dans le lait. » Et la mère, quand elle dit ça à sa fille va lui dire, avec beaucoup de sagesse, parce qu'elle respecte sa maman, « Maman, n'as-tu pas entendu le calife, le commandeur des croyants, qu'il était interdit de rajouter de l'eau dans le lait ?» Et qu'est-ce qu'elle dit ?« Maman, tu sais que si le commandeur des croyants ne nous voit pas, le seigneur du commandeur des croyants, lui, il nous voit. » Ça s'appelle quoi, ça ? Ça s'appelle la crainte d'Allah. Si cette fille, elle est comme ça chez elle, bon sang, mais comment aller dehors ? Comment aller dehors ? Nous, on est tous des pieux dans les mosquées. Mais à la maison, comment t'es ? Dans la rue, comment t'es ? Taqillah haitha makunt, où tu es, tu crains Allah. Omar est stupéfait par cette histoire. Il rentre chez lui tout de suite. Il voit son fils Azim. Il dit, mon fils Azim, j'ai trouvé une perle, un rubis, de l'émeraude, un diamant. Écoute cette histoire. Et il écoute l'histoire. Mon fils, vas-y, si elle n'est pas mariée, si personne ne l'a demandé, va la demander. Et il y va. Il arrive devant la porte, il frappe à la porte, il dit « Salam alaikum, vous me connaissez ?»« Bien sûr, tu es le fils du calife. Je voudrais savoir si votre fille voudrait bien se marier avec moi. Ben, »« T'es grand, tu tapes à la porte et tu lui demandes. » Il dit « Voilà, salam alaikum ma soeur. Tu me connais, oui, t'es connu, mais je voudrais te demander en mariage si personne t'a demandé la main. »« J'accepte. » Magnifique. Ah, oh, il a trouvé de l'or. Ok, Omar radiallahu anhu, il marie le soir même. Vous savez, il va faire une doua qu'on ne fait pas. « Oh Allah, fais de ce mariage... » sort de leur progéniture une personne pieuse ou alors un leader pour le monde musulman. Un leader pour le monde musulman ou une personne pieuse. Ils vont se marier. Elle va tomber enceinte. Et quand elle va tomber enceinte, elle va accoucher d'une fille. Ils vont la nommer Layla. Layla va grandir dans une famille pieuse. Elle va devenir une demoiselle. Plus tard une femme. Et un homme va venir la demander en mariage. Abdelaziz ibn Marwan. Il va se marier avec Layla. Ils vont devenir pieux. Elle va tomber enceinte. Et écoutez bien, elle va accoucher d'un garçon qui s'appellera Omar ibn Abdelaziz ibn Marwan. 8e calife Omeyyade. 5e calife bien guidé. Il va naître en 682. Il va gouverner le monde musulman pendant 3 ans et 3 mois. Du 22 septembre 717 au 31 décembre 720. À 34 ans, il sera chef d'État du monde musulman de Cordoue à Isfahan. 6505 km. Accrochez-vous. Omar, le calife, radiallahu anhu, Ibn Kathir, raconte cette histoire. Il dit que Omar avait l'habitude, à travers la zakat, d'éradiquer la pauvreté. C'est mon but. Moi, je suis calife. La zakat, c'est pour éradiquer la pauvreté. Deux, c'est pour que les gens soient autosuffisants. Et qu'ils n'ont pas besoin de demander aux gens. Alors il va envoyer un savant, le grand savant du halal du haram, Mu'ad ibn Jabal, qui a été envoyé au préalable avec le prophète alayhi salam au Yémen. Il l'envoie au Yémen comme gouverneur. Et pourtant c'est un savant, il aurait pu rester dans les madrasas. Mais c'est un savant pratiquant, ce qui est différent d'aujourd'hui. Très bien, il est au Yémen, Mu'ad ibn Jabal, il est en train la première année de récolter la zakat. Il envoie un tiers à la capitale Médine. La deuxième année, il récolte 2/3. Il envoie à la capitale Médine. La troisième année, il récolte 3/3 à la capitale Médine. Omar radiallahu anhu, le calife, lui envoie un courrier. Mu'ad ibn Jabal, je ne t'ai pas envoyé au Yémen comme récolteur d'argent et me l'amener en totalité à Médine. Mu'ad ibn Jabal envoie un courrier au calife, chef des croyants, salam alaikum. Je t'ai envoyé la première année 1/3. La deuxième année, 2/3. La troisième année, je t'ai tout envoyé à la capitale, car il n'y a plus un seul pauvre au Yémen. Allez, moi et vous, on prend le défi. Ramenez tous les chefs d'État du monde, tous les professeurs en économie, Harvard, Oxford, la Sorbonne. Aucun de ceux-là n'est capable, réunis ensemble, de retirer la pauvreté dans une seule ville, une capitale. Vous savez quoi ? C'est pas les M2, les L3, les doctorats qui vont changer le monde. C'est la taqwa, la crainte d'Allah. Et eux, ils avaient la crainte d'Allah. En 3 ans, plus un seul pauvre au Yémen. Et vous savez ce qu'ils vont dire les Yéménites ? Ils vont écrire un courrier au calife Omar ibn Khattab. Par la zakat, tu nous as enrichis, tu nous as libérés. Et le calife Omar, regardez ce qu'il va faire. En moins de 3 ans, non seulement il n'y aura plus de pauvres au Yémen,
Mais les gens de Isfahan, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, le PIB, quand il va devenir calife, fera 24 millions de dirhams. À sa mort, il fera 128 millions de dirhams. Regardez la taqwa, ce qu'elle fait. Ça, la taqwa, elle a quoi ? Éradiquer la rachwa, hein, le pot de vin qui détruit le monde musulman. On continue cette histoire avant de passer à la deuxième partie. Omar ibn Abdelaziz va devenir, écoutez bien, gouverneur calife du monde musulman. La première réforme, qu'est-ce qu'il va faire ? La première réforme, il va évincer tous les gouverneurs de la dynastie Omeyyade parce qu'ils vont se construire des palais, des châteaux, avec l'argent de qui, bon sang ? Avec l'argent de qui ? Avec l'argent de la communauté musulmane. Et il va tous les retirer. Et il va mettre des gens pieux. La deuxième chose, la deuxième réforme, c'est quoi ? C'est qu'il va prendre l'argent de la zakat pour retirer toute la pauvreté. Alors, on va voir toute l'histoire à la deuxième partie. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Tellement le calife Omar ibn Abdelaziz sera pieux qu'il craindra Allah, que son objectif, c'est que l'argent qu'il récolte, c'est pourquoi éradiquer, comme son grand-père, la pauvreté. Un jour, que va-t-il se passer ? Omar ibn Abdelaziz, et soyez fiers les gens de l'Afrique du Nord, il va envoyer un gouverneur en Afrique du Nord, qui s'appelle Yahya ibn Saïd. Quel est son but ? Gouverner le peuple de l'Afrique du Nord, administrer son peuple, mais que la zakat doit être prise et là distribuée aux pauvres. Première année, califat de Omar ibn Abdelaziz. Il prend la zakat, il la distribue aux pauvres. La deuxième année, il la distribue aux pauvres. La troisième année, il la distribue aux pauvres. Il envoie un courrier à qui ? Omar ibn Abdelaziz. Le califat se trouve où ? Alep. Alep, en Syrie. Et lui, il est en Afrique du Nord. Il dit, salam alaikum, chef des croyants. Je t'envoie l'argent à la capitale, car il n'y a plus un seul pauvre en Afrique du Nord. Mais quelle époque ? C'est quoi cette époque ? Mais c'est quoi ? C'est des humains ? C'est quoi ? C'est des anges ? C'est quoi ces gens-là ? Où est la piété ? Où est la crainte d'Allah ? C'est plus quelque chose qu'on cherche. Moi j'ai pris, c'est halal la viande, ça s'arrête là. Ça s'arrête que là, c'est tout. On ne cherche plus la crainte d'Allah. Et à cause de cela, le monde musulman est dans la galère. Et aujourd'hui, la rachwa, elle est facile. Elle s'approche. Qu'est-ce qu'on dit en 2021 ? Ben sans rachwa, tu ne peux pas avancer. Je n'aurai pas d'appartement. Je n'aurai pas le permis. Et patati et patata. Et après, on se retrouve tous en enfer. Pourquoi ? Parce que c'est la chose, les plus grands péchés de l'islam. C'est à cause de ça qu'il y a la déstabilisation dans la communauté musulmane. Regardez ce qui va se passer. 3 ans, plus un seul pauvre en Afrique du Nord. Allez-y aujourd'hui. Vous rendez compte ? Ça s'appelle la taqwa. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, les gouverneurs auxquels on avait pris leur palais, leur château, qui s'étaient fait beaucoup d'argent sur le dos de l'ancien calife, Sulayman, ils vont faire un complot. Pour qui ? Ben pour éliminer l'homme pieux. L'homme pieux qui a éradiqué la pauvreté. L'homme pieux qui a distribué les richesses au monde musulman. Alors ils vont prendre le serviteur de Omar ibn Abdelaziz afin de quoi ? Ben de l'empoisonner. Et regardez bien ce qui va se passer. Et ça, c'est trop fort. Alors, il va l'empoisonner. Et que va-t-il se passer ? Il va convoquer tous ses gouverneurs. Il va dire, mes gouverneurs, que les gens disent ? Que disent les gens de moi ? On dit que tu as été possédé, que tu as été touché par les djinns, que la sorcellerie t'a touché. Non, non, non. Vous mentez tous. Mais on m'a empoisonné. Je n'ai ni djinns, ni sorcellerie. Mais il ramène son serviteur. Et il lui dit devant tout le monde, pourquoi tu m'as empoisonné ? Et le serviteur se retourne devant qui ? Tous les gouverneurs. Et ils m'ont donné 1000 dinars afin de t'empoisonner et ils m'ont promis la liberté, l'affranchissement. Omar radiallahu anhu, Ibn Abdelaziz, lui dit, va chercher l'argent qu'on t'a donné et tu l'as remis dans le trésor public. Maintenant, tu vas chercher de mon argent personnel et tu vas le mettre dans le trésor public. Et prends ton monture et tu t'en vas loin de ce pays pour éviter qu'il te fasse la peau. Vous vous rendez compte ? C'est beau ou c'est pas beau ? C'est quoi ça ? L'autre, il vient lui faire la peau et il dit, vas-y, pars. Regardez bien. Nous sommes à Kirman. Kirman, c'est en Iran. Donc, à l'époque, ça s'appelait la Perse. Ça s'appelle quoi ? Tout ça, c'est le califat. À Kirman, Marouf raconte cette histoire qui est racontée par Miqdam et Mujahid qui dit que Hassan Qari était avec des bergers à Kirman. Accrochez-vous. 2709 km, c'est la Perse. La capitale, c'est Alep. 2709 km. Vous allez voir la taqwa.
Il est là-bas avec ses moutons. Quand tout d'un coup, un berger approche de ce monsieur Hassan et il voit plein de chiens, une trentaine de chiens avec les moutons. Il dit, mais pourquoi tu as besoin de 30 chiens avec les moutons? Regarde bien, c'est pas des chiens, c'est des loups. Bon sang, des loups! Gloire à Dieu, des loups qui s'amusent avec des chiens! Des loups qui s'amusent avec des moutons! Oui, regarde bien, quand la tête est pieuse, tout le corps est bon. Eh bien, à cette époque, mes frères, tellement le calife, il était pieux, que l'impact a été si loin, 2709 km. La piété s'est répandue. C'est pour ça que les savants disent « Raj saliha yaslah kull shay hawlaha wa raj fasida yafsad kull shay hawlaha » Un homme pieux, il rend pieux tout ce qui est autour de lui. Mais un homme corrompu, il corrompt tout ce qui est autour de lui. Et à tel point qu'il était pieux, qu'à des milliers de kilomètres, les loups et les brebis s'amusaient ensemble. Vous trouvez aujourd'hui? Vous trouvez? Vous ne trouverez jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? C'est la piété. Aujourd'hui, tout le monde se mange. Les animaux se mangent. Les humains se mangent. Alors, un soir, que va-t-il se passer? Un loup va dévorer une brebis. Et le berger va pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? L'assemblée va être à côté de lui. C'est sûr qu'il est arrivé quelque chose au calife du monde musulman. Il se sera renseigné quelques jours après. Le calife a été assassiné. Vous voyez, mes frères? Alors, si on veut que le monde musulman soit sauvé, mes frères, on ferme une porte à la rachoua. Les enveloppes, ça ne marche pas chez nous. Il n'y a pas de pot de vin. Ça fait partie des grands péchés. Et la communauté restera au ralenti. Nous, ce qu'on cherche, c'est la taqwa. La crainte d'Allah. Craignez Allah comme il convient de le craindre. Celui qui n'a pas la taqwa, il me fait marche arrière. Et le jour du jugement, regardez bien ce verset du Coran. Ya Daoud, surat 38, verset 26, la lettre. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah, innal ladina yudilluna an sabilillah falahum 'adabun shadidun bima nasaw yawmal hisab. Ya Daoud, nous avons fait de toi un responsable sur la terre. Juge les gens en toute équité et ne suis pas ta passion, car elle t'égarera du sentier d'Allah. Et celui qui s'égare du sentier d'Allah aura un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Allahumma hadina fiman hadayt, wa afina fiman afayt, wa tawallana fiman tawallayt. Allah pardonne la communauté musulmane. Allah protège-nous contre les pots de vin. Protège-nous contre l'avarice. Ne nous châtie pas le jour du jugement. Allah, met la taqwa dans le cœur des musulmanes et des musulmans. Et de nos enfants, des hommes et des femmes. Allah, répond la piété dans le monde musulman. Allah, donne-nous la piété à tout instant. Dans la mosquée, chez nous, avec nos enfants, au travail. Ya Allah, donne-nous la piété. La crainte de toi. L'imam Ghazali, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la crainte d'Allah est plus importante que l'amour d'Allah. Parce qu'avec l'amour d'Allah, tu peux faire des péchés du matin au soir. Mais avec la crainte d'Allah, tu ne le feras pas. Parce que tu as la connaissance d'Allah. Et la connaissance d'Allah est la chose la plus importante. Allahumma nas'aluka imanun kamila. On te demande la foi complète. Wa lisanun dhakira. Et une langue évocatrice. Wa qalbun shakira. Et un cœur qui te remercie. Wa ilmun nafi'a. Et une science profitable. Wa niyatu sadiqa. Et une bonne intention. Wa hayatun tayyiba. Et une vie d'excellence. Wa jannata aliyah. Et un paradis élevé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Vous la verrez sur YouTube ce soir, si vous voulez.